Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette table ronde qui va interroger les modalités et les régimes de production des innovations à l'échelle des territoires. Laurent, peut-être, qui va animer cette table ronde avec moi, qui est principalement constituée par un groupe de chercheurs en fait, qui œuvrent dans un certain nombre de programmes de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche ou par le PUCA, et qui donc regardent à travers leur discipline en fait, la façon dont aujourd'hui, collectivement, on fabrique des innovations. Et ces questionnements prennent un tour tout à fait particulier aujourd'hui, puisque nous sommes face à une crise qui a frappé de plein fouet les villes. Et donc, on va avoir ce moment d'échange. Peut-être juste pour compléter et laisser la parole assez rapidement dans un petit tour que nous avons imaginé, présenter qui est autour de la table. Dominique Sagot-Duvauroux, professeur d'économie à l'Université d'Angers, et tu introduiras dans la foulée les enjeux des programmes de recherche qui sous-tendent les discussions que nous aurons. Jean-Luc Charles, directeur de la Société publique locale d'aménagement, la SAMOA, et qui sera un opérateur attentif et que nous interrogerons notamment dans la deuxième partie de cette table ronde. Emmanuelle Gangloff, chercheuse, et qui, avec Hélène Morteau, également chercheuse, interviendront en duo pour restituer une veille en cours et les questions qu'elle nous pose. Charles Ambrosino, urbaniste, maître de conférence à l'Université de Grenoble-Alpes, embarqué dans un programme de recherche et qui, assez vite, nous permettra de mettre en perspective Nantes avec Grenoble et Madrid notamment, puisqu'on ne parlera pas que de Nantes cet après-midi. Julie Larnoès, merci d'être parmi nous. Le conseil municipal est en cours, il a fallu s'en exfiltrer pour venir participer et plutôt en mode rebond par rapport à des travaux de chercheurs en cours. Vous êtes conseillère municipale, vice-présidente de Nantes Métropole, avec des mandats nombreux, je vais d'ailleurs les citer. Vous êtes en charge du climat, des transitions énergétiques et alimentaires, de l'agriculture, de la résilience et des mutations économiques. Je pense qu'on essaiera d'interroger un peu la résilience dans ce moment très particulier. Voilà, et donc avec Raphaël Suire, professeur à l'Université de Nantes en économie et management, et moi-même, professeur à l'École d'architecture de Nantes, nous allons essayer de passer les plats et reposer des questions. Nous avons deux autres intervenants qui ne sont pas sur place, mais pas très loin, en visio. François Ménard, sociologue au PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, et il apparaît possiblement sur vos écrans. En tout cas, nous le voyons. Bonjour François. Et puis, mais je pense qu'on la verra tout à l'heure, nous avons Montserrat Parejo-Estoway, pardon pour ma prononciation, professeur à l'Université autonome de Barcelone, qui nous rejoindra dans une petite heure, si tout va bien. Nous commençons, et peut-être sous les auspices de deux programmes de recherche dont Dominique, tu peux peut-être nous parler. Oui, merci Laurent. Effectivement, quand il était question de construire un événement autour de Nantes, capitale européenne de l'innovation, il nous a semblé intéressant d'y associer deux programmes de recherche dont les thématiques sont des thématiques liées à l'innovation urbaine et à qu'est-ce que la crise provoque dans l'évolution des régimes urbains d'innovation. Alors ces deux programmes de recherche, ils sont un peu différents, même s'ils se croisent. Le premier programme de recherche, il s'appelle SKYNA. C'est un programme de recherche qui associe l'Université de Nantes, l'Université d'Angers, l'Université de Grenoble, l'Université de Paris 3, les écoles d'architecture de Nantes et de Grenoble. Et l'objectif de ce
de ce programme de recherche, c'est d'analyser les encastrements complexes qui existent entre des activités artistiques situées et les dynamiques urbaines en règle générale. Comment s'articulent les activités artistiques, l'existence de start-up ou entrepreneurs créatifs, les configurations urbaines et sociales d'une ville. Donc on essaye, à travers ce programme qui associe des architectes, des urbanistes, des économistes, des géographes, des sociologues, des philosophes, on essaye d'avoir une approche un peu systémique et croisée des dynamiques urbaines qui s'appuient sur les différentes formes de création artistique, avec cette hypothèse que les activités artistiques ont un effet de débordement sur les territoires, assez spécifique, hein. C'est pas la même chose de mettre une librairie sur une place que de mettre une banque, par exemple, ça déborde pas de la même façon. Donc c'est un peu ces questions-là qu'on se pose, et parmi les hypothèses que l'on essaye de tester, il y a l'idée qu'un territoire fera scène, puisque le concept de scène est celui qu'on essaye de travailler, lorsqu'il va y avoir alignement des planètes entre la créativité invisible d'un territoire, ce que l'équipe de Coendé à Montréal appelle l'underground d'un territoire, qui est la créativité des habitants ou la créativité des acteurs isolés, des individus, la créativité des institutions ou des organisations, qu'il appelle l'upper ground. Et donc ce qu'on essaye de voir, c'est comment ces créativités s'articulent, quels sont les dispositifs, les lieux, les événements, les systèmes de valeurs qui font qu'à un moment donné, un territoire est porteur d'innovation, porteur d'atmosphère agréable, porteur d'une dynamique spécifique. Et effectivement, les exemples de Nantes, de Grenoble, d'Angers, de Darles, sur lequel on travaille aussi, sont des exemples intéressants à appréhender à partir de cette problématique. Et ce programme de recherche, en fait, qui est co-piloté par Charles Ambrosino et moi-même, il croise en fait un autre programme de recherche qui est le programme Demextra, qui lui s'intéresse davantage au système d'innovation. Et l'idée, c'est qu'il y aurait différents systèmes d'innovation, le système fondé sur régime d'innovation, plus exactement, hein, un régime fondé sur la démonstration, un régime fondé sur l'exploration, un régime fondé sur la transformation, qui font référence à certaines villes dont tu vas nous parler, et dans lequel, effectivement, nous, on essaye de recaser, de retraiter notre approche plus spécifiquement centrée sur la dimension artistique des territoires. Merci Dominique. Alors, il n'aura échappé à personne que l'intitulé en anglais peut poser question de cette table ronde Post-Covid Cities, dans la mesure où, d'une part, on est plusieurs à ne pas nous sentir tout à fait dans le post-Covid, et pour cause. Et puis, c'est aussi un débat plus large sur le monde d'après. Est-ce que c'est une injonction à un monde d'après radicalement différent? Est-ce que ce monde d'après, à certains égards, ne ressemble pas beaucoup à celui d'avant? Et c'est pour ça qu'en général, chez les chercheurs, on met des guillemets quand on dit le monde d'après pour prendre toutes nos précautions. Ici, nous verrons ce que cela donne, mais c'est ce qui a un peu motivé l'idée des deux temps. C'est-à-dire qu'un temps où nous voulions reposer quelques propositions récentes, issues de la recherche, sur les manières dont on peut concevoir l'innovation urbaine. Tu l'as dit, Dominique, le sens peut être différent au sein d'un territoire et entre les territoires. Et bien sûr, si on dit innovation urbaine et monde d'avant, qu'est-ce que ça donnait? Eh bien, ça donnait peut-être, et je lance des points qu'on reprendra peut-être dans le débat, ce qu'on pourrait appeler une innovation, une injonction, activer, faciliter, accélérer, ça c'est des choses qu'on a beaucoup vues, maître mot d'un discours qui était caractérisé par la réactivité et l'agilité, et dans certains cas, une injonction à l'innovation peut-être, on pourrait dire « innovate or perish », quitte à laisser de côté un certain nombre de lignes de fond, un travail de terrain peu visible ou moins spectaculaire. Et c'est ce qu'on a déjà vu hier à l'occasion d'une autre table ronde où on mettait sur la scène différents types d'innovations. Alors, pour creuser ces éléments de l'avant-Covid et le deuxième temps de la table ronde, vous l'avez compris, focalisera clairement là-dessus, on laisse d'abord la parole à Charles Ambrosino, un grenoblois, pour nous outiller davantage. Charles, c'est à toi.
Merci beaucoup. Donc là, je vais essayer de vous présenter quelques éléments de réflexion qui proviennent d'un programme de recherche. Je parle au nom d'une équipe qui est composée de chercheurs de Grenoble, de Nantes et de chercheurs de Grenoble et de Nantes qui travaillent depuis Madrid. Donc, cette recherche, elle est financée par le PUCA, le Plan Urbain Construction Architecture et également l'ADEME, dont l'esprit vous sera présenté dans une dizaine de minutes par François Ménard. Le programme de recherche pose une question assez simple, comment s'opère la gouvernance des innovations urbaines ? Concrètement, comment se coordonnent des acteurs qui sont enchâssés dans un processus d'innovation dans le champ des politiques publiques urbaines? C'est la question qui nous est posée. Et l'équipe que je représente répond à cette première question, une autre question tout aussi simple, mais vous verrez dont les implications sont peut-être plus complexes, c'est dans le fond, est-ce qu'on peut caractériser des manières d'innover sur des territoires? Est-ce que l'on innove, si l'on innove, de la même manière à Nantes, à Grenoble, à Madrid, à Barcelone, à Stockholm? Et le préalable de notre interrogation, enfin il y en a trois des préalables en réalité, le premier c'est que les territoires ne sont pas égaux par rapport à l'innovation, c'est-à-dire que tous les territoires n'ont pas une propension dans le temps long à être des territoires support d'innovation, à la fois des innovations qui sont sécrétées par le territoire, dans le cadre de districts industriels, de clusters, de quartiers de la création créative, mais également des territoires qui sont capables de promouvoir des manières innovantes, finalement, de répondre à des enjeux de société, comme notamment le changement climatique. La deuxième chose, c'est que d'un territoire à l'autre, on se rend compte qu'on n'innove pas de la même manière. Il est clair qu'il y a c'est le troisième point, des cultures locales d'innovation qui viennent teinter les manières dont, premièrement, on se représente l'innovation, la deuxième, la manière dont on la coordonne et la manière dont on la produit. Et ces trois hypothèses préalables nous ont permis, dans un premier temps, d'échantillonner de manière non exhaustive un certain nombre de territoires qui nous semblaient des idéotypes, des manières d'innover à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Peut-être qu'avant de les présenter, je vais dire deux choses sur le contexte. On s'est beaucoup questionné sur les innovations urbaines, c'est-à-dire les innovations conduites notamment dans le champ des politiques publiques urbaines, avec ou sans les acteurs privés. Et quand on dit ça, il y a peut-être deux mouvements qui sont intéressants à pointer du doigt en préalable à la restitution des premiers éléments de résultats. La première chose, c'est que quand on regarde les politiques urbaines, on sent un mouvement qui, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, passe de la planification des territoires à l'expérimentation au sein des territoires, avec une phase intermédiaire qu'on a appelée le projet. Les documents d'urbanisme, la certitude que le développement économique pourrait être accompagné par la planification urbaine justifie que des manières d'agir sur les territoires s'érigent au nom de la planification. La crise économique, industrielle des années 80, accéléré par la décentralisation de bon nombre d'États, commence à poser la question du projet urbain, peut-être plus encore de la planification, dans une complémentarité. On fait le plan en même temps que l'on envisage le projet. Le projet étant plus agile, en effet, là où la planification envisage de manière prospective un temps plus long. Aujourd'hui, on a tous le mot expérimentation à la bouche. Et on verra que l'expérimentation n'est pas l'innovation, en tout cas selon le groupement de chercheurs que je représente. La deuxième chose que je trouve assez intéressante à pointer du doigt, c'est que la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, c'est le moment où, en tout cas dans le champ de l'urbanisme, on abandonne progressivement les grands modèles, les figures d'organisation spatiale du territoire qui peuvent inspirer la ville moderne, la cité-jardin, ces grands moments de la pensée urbanistique, au profit de ce qu'on va appeler des modèles urbains. Et là, on va entendre parler de villes créatives, de villes durable. Aujourd'hui, on parlera de villes intelligentes, peut-être même résilientes. À mon avis, c'est la même chose qui se sophistique. On va parler aussi de villes en transition. Et ce sont moins des figures d'organisation de la société de l'espace que des manières, finalement, d'envisager l'expérimentation et peut-être l'innovation.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que à l'heure de l'expérimentation, à l'heure de la circulation globale de ces grands modèles urbains, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que tous ces modèles racontent finalement la même histoire, c'est comment on peut repérer dans certains territoires des milieux qui seraient capables d'être porteurs d'innovation, ou en tout cas minima d'être capables de prototyper des expérimentations en vue de les ossifier dans des politiques publiques qui seraient innovantes. Regardez la ville créative. La ville créative raconte une histoire intéressante. On abandonnerait au milieu créatif, composé certes d'artistes, mais avant tout de gens créatifs, c'est les fameuses créatives de Richard Florida, la capacité, si vous voulez, à quelque part dépasser le silotage des politiques publiques et à positionner des innovations qui pourront à un moment enclencher des processus de transformation, de régénération urbaine. Nantes, par exemple, est un lieu intéressant de ce point de vue-là. La question de la ville intelligente, de la ville résiliente, pose une autre question. Cette fois-ci, c'est peut-être au milieu de l'ingénierie, de l'ingénieur, celui qui va être capable d'optimiser des réseaux urbains, qu'on pose la question, à qui on pose la question de savoir comment on va expérimenter à l'échelle 1 de la ville toute une série de dispositifs, de prototypes qui vont à un moment peut-être apporter des réponses à des enjeux très simples, comme des enjeux simples dans la formulation, complexes dans leur résolution évidemment, la mobilité, l'énergie, etc. La ville en transition, c'est encore autre chose. La ville en transition, contrairement à la ville durable, nous dit dans le fond, il ne faut pas sophistiquer l'appareil technologique pour pouvoir s'adapter au changement climatique, il faut complètement changer le paradigme de notre résilience, mais pas tant dans la sophistication technologique, mais plutôt dans la capacité de la société locale à s'armer dans un monde qui, d'ici une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, n'aura plus de pétrole. Cela étant dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il faut prendre un peu de recul par rapport à cette sacro-sainte expérimentation qui serait la solution à tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, surtout si on considère que c'est la forme privilégiée d'action collective qui permet d'innover. En ce sens, je me permets de rappeler qu'expérimenter n'est pas innover. Une expérimentation, souvent qualifiée de niche, par exemple, dans les Transition Studies, c'est l'occasion de bricoler, de prototyper une réponse dans une situation de contrainte liée à l'incertitude. On voit bien en quoi la crise pandémique, par exemple, et du coronavirus, oblige à penser dans un temps court, des dispositifs qui vont de la production de certains services urbains jusqu'à la production d'objets, des visières, des respirateurs, et qui ponctuellement peuvent faire clignoter des territoires qui ont été capables à un moment de plus rapidement que les autres, parce que plus mieux coordonnés, d'apporter des réponses à des problèmes précis. L'innovation, ou en tout cas un régime d'innovation, signifie tout de même, si on regarde un petit peu les sciences politiques, que cette capacité à se coordonner dans le cadre d'une action collective de différents acteurs qui viennent de la science, de la technologie, de la politique, de la société civile, se coordonne, mais sur le temps long. C'est-à-dire que, c'est ce que nous dit l'économie territoriale, en règle générale, c'est que l'innovation est endogène et se saucifie, s'institutionnalise dans des régimes que nous appellerons des régimes d'innovation urbaine. Alors, vous me direz comment on peut observer ces différents régimes d'innovation urbaine. On est revenu à la littérature sur c'est quoi expérimenter. La littérature dit une chose assez simple, il y a plusieurs manières d'expérimenter. Et nous en avons retenu trois. La première manière d'expérimenter, c'est de démontrer. On démontre à la manière de l'ingénieur qui va utiliser la ville à l'échelle 1 comme un espace, si vous voulez, de test de solutions techniques à des problématiques urbaines. Il existe une autre manière d'expérimenter qui est plutôt d'origine artistique et créative, qui s'appelle l'expérimentation exploratoire. C'est-à-dire que concrètement, on tente quelque chose, mais on ne sait pas nécessairement où on va. C'est Jean-Marc Ayrault et Jean Blaise qui vont tenter, à travers la question de la réanimation par l'événementiel artistique et culturel dans l'espace public, de redonner du sens à un espace anciennement industrialisé, devenu obsolète brutalement à cause de la crise industrielle. Il existe une troisième manière d'expérimenter, c'est l'expérimentation dite transformative, c'est-à-dire que cette expérimentation ne cherche pas tant à valider un protocole, à tester une solution, plutôt qu'à changer l'environnement même dans lequel elle procède à une expérimentation. C'est par exemple l'irruption après la crise de 2008 en Espagne de ces fameux laboratoires citoyens qui en fait
résulte de l'agrégation à la fois d'architectes, urbanistes, de collectifs d'habitants, de militants qui, à travers la reconquête d'espaces publics dans la ville dense de Madrid, réinventent le lien à la politique et réinventent la production de services de proximité dans les espaces publics de la ville dense en réaction à la néolibéralisation des politiques urbaines du Madrid du début du XXIe siècle. Le temps passe. Oui, mais peut-être t'interroger sur le fait qu'on comprend bien la différenciation de trois régimes et trois territoires d'exploration de la question. Est-ce que dans cette recherche, vous arrivez à identifier un régime dominant dans chaque trajectoire urbaine, ou bien à chaque fois, est-ce que c'est une composition finalement de ces trois régimes ? La réalité, c'est que ce sont des modèles idéotypiques et chaque territoire, en fait, montre des tensions entre des régimes. Il est évident qu'il y a des régimes dominants, on va dire majeurs, et des régimes en émergence qui seraient mineurs. Et ce qui est intéressant, c'est que, semble-t-il, dans chacune des villes que nous avons explorées, et a fortiori qu'on aimerait pouvoir explorer, on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est à la fois la formalisation d'un régime dominant et le régime de tension qui le rend parfois orthogonal ou parfois complémentaire à un régime émergent. Par exemple, à Grenoble, on se rend compte que le régime dominant, c'est véritablement le régime de la démonstration. Il y a une longue histoire à Grenoble de constitution du territoire en ayant recours au savoir-faire de l'ingénieur. Et on sent des transpirations dans les politiques publiques, dans la capacité à conduire toute une série, si vous voulez, d'innovations urbaines qui vont utiliser du territoire comme des espaces tests, d'abord des premiers écoquartiers, la caserne de Beaune dans les années 90, la presqu'île scientifique aujourd'hui, au risque même d'ailleurs de faire finalement de la ville une sorte de vitrine de solutions technologiques directement branchées au marché, quoi. Et en même temps, on se rend compte qu'un autre régime tout aussi intéressant et est en tension avec cette acception de l'innovation, c'est un régime qu'on pourrait qualifier de la transformation, pour le coup, ou cette fois-ci, qui consacre le passage de la ville durable à la ville en transition, où on sent que ce n'est pas tant à l'ingénierie que l'on abandonnerait le soin ou la capacité finalement à adapter le territoire au changement climatique qu'à la société civile. Et la question est de savoir, dans le fond, comment elle s'organise, comment elle va promouvoir sur le territoire un certain nombre d'expérimentations qui, se répétant, permet la capitalisation de savoir-faire, lesquels savoir-faire vont éventuellement transformer la manière de conduire les politiques publiques. Et on voit qu'en réalité, ces deux régimes sont en tension. On peut retrouver la même chose à Nantes, selon nous, entre un régime plutôt de l'exploration, où on voit bien que dans les années 90-2000, même si cela se sophistique, on voit bien un lien assez fort entre l'entrepreneuriat artistique et culturel et les politiques urbaines, notamment sur la transformation qui va être enclenchée sur l'île de Nantes. On peut se demander dans quelle mesure le tournant numérique dont peuvent se réclamer un certain nombre d'acteurs du territoire soit finalement s'inscrit dans la continuité de ce système d'exploration. On va tenter quelque chose, voir si où ça nous emmène, ou si on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la transformation, où on veut tout simplement être en rupture avec cette manière de faire et inventer de nouveaux modes de faire. Peut-être un passage d'un cycle à un autre, auquel cas il faut essayer d'identifier quels sont les porteurs, quelles sont les manières d'innover, quels sont les objets sur lesquels on innove. Merci Charles, je propose qu'on garde en tête à la fois cette grille de lecture, régime dominant en émergence et la tension entre ces régimes. Et puis, à partir de cet exposé, je veux lancer François Ménard. Depuis le PUCA, organisme de recherche incitative, et peut-être plus particulièrement, le lancement, il y a 3 ans maintenant, d'un appel d'offres de recherche qui s'appelait « Gouverner de par l'innovation ». C'est un programme de recherche que tu pilotes, alors qui, d'un côté, fait aussi cette hypothèse d'un nouveau régime urbain de l'innovation, et puis, d'un autre côté, c'était un autre objet que vous avez lancé d'analyse, c'est de revenir sur les démonstrateurs industriels de la ville durable. Et pour le coup, ici, on est clairement dans un régime, non seulement de la démonstration, et qui plus est, industriel. Alors, je te donne la parole pour quelques minutes pour poursuivre la réflexion. Merci Laurent, merci pour votre invitation. Oui, moi je voulais resituer un petit peu la façon dont le PUCA, donc Plan Urbanisme Construction Architecture, qui est
un organe incitatif de recherche et d'expérimentation dans le domaine de la ville, de l'urbain, de la conception architecturale. C'était saisi de cette question de l'innovation, comment elle lui était arrivée, ce qu'on essayait d'en faire, les questions qu'elle posait. Et sans dévoiler la fin de mon exposé, on est dans quelque chose qui relève de l'ambiguïté, d'ambivalence. Alors ce programme gouvernance urbaine d'œil par l'innovation, donc que je pilote avec mon collègue Bertrand Vallet, il provient d'un premier constat, enfin, finalement d'un triple constat. Le premier, c'était que on voyait émerger un peu partout des opérations qui se réclamaient de l'innovation, qu'il n'y avait pas un projet qui sortait de terre qui ne soit pas marqué par le sceau de l'innovation. Et si tout devenait innovation, alors qu'est-ce que devenait l'innovation elle-même? Quel était son statut? Quelle était sa fonction? Donc une première interrogation qui procédait de cette émergence-là, alors même qu'à travers d'autres travaux, notamment sur la Smart City, on voyait émerger des opérateurs dits disrupteurs, qui se réclamaient comme tels, qui n'apparaissaient pas dans l'agenda des collectivités territoriales, mais qui ont déstabilisé l'économie générale des services. Je pense à tout ce qui vient de l'économie de plateforme, les Uber, Airbnb, BlaBlaCar, etc. Et qui était hors du champ défini ou proposé par les collectivités comme relevant de leur politique d'innovation, et ce qui nous amenait à nous interroger sur le statut de cette innovation dans la gouvernance des territoires, en disant qu'il y avait peut-être du côté de l'injonction et de la systématisation de l'innovation l'idée d'une remise en ordre des acteurs, des opérateurs, et qu'il y aurait en quelque sorte une nouvelle gouvernance urbaine par l'innovation. Et en même temps, ce travail de classement qui consiste à considérer certaines opérations, certaines démarches, certaines technologies comme innovantes, et en laissant dans l'ombre d'autres initiatives avant de commencer à les réguler, ce travail de classement était une forme de gouvernance de l'innovation. D'où ce lancement avec, en particulier, et tu l'évoquais, le fait que le PUCA se trouvait engagé comme pilote d'un programme national de démonstrateurs industriels pour la ville durable, qui reposait sur l'hypothèse que l'innovation était portée par les entreprises, par des opérateurs privés, dont le système de règles de notre pays, enfin pour lequel le système de règles de notre pays était un frein. Et donc, il y avait l'idée qu'il fallait absolument introduire de l'innovation, qu'il fallait la diffuser donc à travers les démonstrateurs, et que le rôle de l'acteur public était de faciliter cette innovation en allant jusqu'à permettre à ces opérateurs de déroger un certain nombre de textes, de règles et de droits. D'où l'idée qu'il y avait des régimes urbains divers de l'innovation. Donc, notion dont on s'est ressaisi l'équipe de Charles Ambrosino avec beaucoup de brio dans la poussant plus loin, de même que d'autres équipes de ce programme de recherche, je pense à l'équipe coordonnée par Nadia Arabe et Gilles Krag, ont essayé d'identifier des scènes collectives d'innovation urbaine, des SKIN, donc des régimes, des SKIN, finalement une manière de parler de l'innovation dans la ville assez différente de ce qui avait pu se passer auparavant quand les géographes, les économistes territoriaux travaillait sur les milieux innovateurs, sur le cluster ou plus récemment sur la Creative City. Donc ce programme est en route, il commence à produire des résultats, mais à côté de ça, on a vu émerger, alors il y a beaucoup d'émergences dans ce que je décris, des appels à projets qui ont été déclarés innovants par leurs promoteurs ou par leurs commentateurs, tout ce qui a été les réinventer. Réinventer Paris, Reinventing Cities, Réinventer Rural, Réinventer Angers. Des projets dont l'objet n'était pas tant d'introduire des innovations, mais qui étaient innovants par leur cadre procédural. Globalement, ça consistait pour l'acteur public local, de se délester de la programmation, voire de l'aménagement, pour procéder par des appels à projets dont le porteur est souvent l'utilisateur final, pas l'usager, mais le propriétaire, l'exploitant, avec l'idée que ces opérateurs vont inscrire leur projet dans une économie qui en assurera la rentabilité et qui
et pour cela introduira un certain nombre d'innovations dont la procédure de jury du concours permettra de sélectionner les meilleurs. Donc on a une innovation un peu systématique dans le projet urbain et des innovateurs un peu ignorés dans un premier temps de la collectivité publique, et puis on a de l'innovation procédurale, ou en tout cas décrite comme telle, qui traverse l'action publique territoriale locale. Donc voilà un petit peu la manière dont le PUCAS s'est saisi de ces questions-là, il essaye de les traiter, de les soumettre aux chercheurs ou aux experts de la question, avec, et c'est là où j'en viens à cette notion d'ambiguïté ou de d'ambivalence, c'est qu'il y a une certaine ambiguïté sur le registre ou le contenu substantiel des innovations en tant que produit final, en tant que nouveaux intrants, en tant que nouvelle forme d'urbanité, d'espace, de service ou de fonction. Alors, ce qu'on a repéré, il y a un tropisme technologique et numérique assez évident. Les projets qui se réclament de l'innovation font référence à des smart grids, parfois à des objets un peu plus hybrides comme des Fab Labs, et parfois aussi ils en appellent à de l'innovation qui serait plus économique ou gestionnaire, qui agirait sur les prix, sur les signaux, de nouvelles formes de régulation, en quelque sorte économique et technologique, qui formerait une nouvelle efficacité urbaine au service, souvent proclamé, de la transition écologique ou du développement durable. Alors, face à ce discours-là, on a le réflexe, et beaucoup l'ont, de dire « attention, l'innovation, ça n'est pas que technologique, c'est aussi social ». Sauf que cette innovation sociale, elle n'a pas vraiment droit dans les projets qui sont portés par les entreprises, dans les projets qui sont promus par un certain nombre d'opérateurs. Mais quand on l'évoque, alors sur des scènes un peu inversées, qui vont critiquer cette dimension très techno-numérique de l'innovation, la dimension sociale de l'innovation, elle est vue plutôt comme une innovation qui serait au service de la solidarité, mais pas une innovation sociale, au sens où Facebook est un opérateur d'innovation sociale en mettant la relation au cœur du nouveau rapport au numérique. On peut même dire que Uber ou que Airbnb, que l'économie de plateforme est une forme d'innovation sociale, sauf que c'est une innovation sociale qui peut se faire au détriment d'autres biens ou au détriment d'autres populations. D'où l'ambivalence dans l'engagement dans l'innovation dès lors que son sens et sa portée n'apparaissent plus comme évidents. Et c'est d'autant plus fort aujourd'hui, et j'en viens peut-être à la fin, c'est la fin de mon exposé, sur ce que nous apporte la crise sanitaire dans cette perspective-là, c'est que la crise sanitaire montre l'arrêt d'une économie qui finalement va réussir à se maintenir en partie grâce à un monde technologique qui, il y a encore quelques années, était considéré comme innovant, mais une crise qui peut sonner comme un avertissement, qui nous invite peut-être à réinterroger la manière dont nous avons organisé territorialement nos villes, dans la manière dont nous mobilisons les technologies, dans notre rapport à la nature, et ça nous invite donc à réévaluer nos innovations avec finalement quelque chose qui participe à ce que j'appellerais une crise des régimes de présence du futur dans le projet urbain. Je m'explique par là, c'est-à-dire que le projet urbain a toujours entretenu un rapport très particulier au futur, entre le projet et sa réalisation, et entre l'utopie et la société que le projet était supposé servir. Or, aujourd'hui, l'introduction de ces innovations et la crise que nous traversons nous oblige à
en réévaluer la part, en réévaluer la place, avec une interrogation plus vaste qui a précédé notre crise sur l'inscription de nos trajectoires urbaines dans un cheminement de progrès. Et il y a une double interrogation aujourd'hui sur le progrès et les innovations, c'est-à-dire que si le progrès est la somme des innovations, alors peut-être qu'il faut abandonner cette idée de progrès au profit d'un autre rapport à notre environnement spatial et temporel qui en chercherait des améliorations ailleurs. Ou bien le progrès ne repose pas que sur des innovations, et à ce moment-là, quelles sont les représentations d'un progrès, quel sens, quelles orientations donner à nos pratiques dès lors qu'on pourrait envisager un progrès sans innovation. Donc, ce sont des questions aujourd'hui qui s'adressent à la ville, qui s'adressent aux acteurs en charge de sa gouvernance, de la production et de la gestion de ses services urbains, et aussi aux chercheurs. Et ce sont des questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui dans le travail de veille que nous faisons, mais ça, Hélène Morteau et Emmanuel Gangloff en parleront mieux que moi, et qui font émerger des idées, des alternatives, des analyses aussi, dont on ne sait pas très très bien si elles constituent des réponses à la crise que nous vivons ou si elles sont un appel à repenser nos villes pour éviter que ces crises se reproduisent. Voilà, je vous remercie. Merci, merci François. Et à la fois, on s'inscrit dans la continuité de ce que Charles suggérait et des questions fortes tout de même. Mais du type, doit-on désindexer la notion de progrès à celle d'innovation? Je trouve que c'est une question plutôt judicieuse. Et puis, l'invitation que tu fais à l'instant d'interroger les régimes de présence du futur dans le projet urbain. Il me semble que ça rejoint des réflexions d'historiens, je pense à François Hartog, depuis plusieurs années maintenant, mais aussi des questions qui touchent directement l'action publique locale. Alors, on pourrait serrer des choses dans ce que vous avez dit tous les deux, mais je me tourne vers Julie Larnouès pour, d'une part, solliciter un rebond qui peut être très ouvert sur ce que vous avez dit, mais peut-être aussi, moi j'ai en tête ces deux points, c'est il y a des cultures politiques locales contrastées, et ces cultures politiques locales ne sont pas d'une stabilité éternelle, c'est-à-dire qu'elles bougent, et je pense que Charles Ambrosino en parlait tout à l'heure. Et puis il y a aussi cette question de la place de l'acteur public dans cet ensemble. François disait acteur public facilitateur. Autant dans les années 90, on a deux sociologues qui parlaient de l'État animateur. Alors maintenant, admettons l'acteur public facilitateur qui est parfois présent dans un sens ambivalent pour le moins. C'est le terme que tu utilises, François, puisque ça peut être jusqu'à lever des verrous, le dérogatoire, le régime dérogatoire qui fait beaucoup parler de lui et qui est à double tranchant. On le voit bien. C'est aussi bien accompagner une néolibéralisation que possiblement débureaucratiser l'État. Bon, alors voilà, je suis un peu bavard, mais Julie, que vous inspirent ces premiers échanges ? C'est toujours intéressant d'avoir une approche plus scientifique de ce qu'on fabrique dans la ville, puisque c'est le premier rôle qu'on a en tant qu'élus locaux, le premier pouvoir quelque part, c'est comment on aménage, comment on fabrique la ville à travers des documents de planification qui effectivement ont évolué en fonction des projets. Et puis l'histoire de Nantes effectivement est liée à cette innovation qui est plutôt passée par la culture, qui s'est prolongée sur le numérique, et en ça, les interventions qui ont été faites éclaire ce sentiment-là, avec des tensions qu'on sent émerger, puisqu'on voit bien qu'on est effectivement, et ça a été posé lors de la dernière campagne électorale également, la question du est-ce qu'on est au bout du cycle quelque part, puisque quand on observe les différents paramètres, les paramètres sociaux, le bouillonnement qu'il y a aussi dans la ville, le fait que Nantes est caractérisée et le fait qu'on ait obtenu le prix d'innovation aussi, c'est ce bouillonnement, c'est les acteurs qui ne baissent pas les bras et veulent changer ce qui doit être changé dans notre ville.
De ce point de vue-là, la notion de progrès qui est réinterrogée, c'est un peu au fond de la matrice de la famille écologiste auquel je fais partie, qui fait parfois l'objet en ce moment en particulier avec l'arrivée au pouvoir de maires écologistes, de certaines formes de caricatures. Mais je pense que Jacques Ellul, notamment, qui avait écrit l'ouvrage du Grand Bluff technologique, qui disait que prendre conscience des dégâts du progrès serait commencer à contester les fondements mêmes de notre société, ce serait quelque part hâter le passage à un autre modèle de vie sociale. Je pense que là, on est arrivé à ce moment-là où l'innovation pour l'innovation ne va plus servir, ne va plus suffire, et on le voit aussi émerger à travers notamment le débat autour de la 5G qui parcourt un peu l'ensemble de la société, et qu'est-ce qu'on fait du numérique, réinterroger le sens du numérique et réinterroger, comme vous l'avez dit, le pouvoir réel des autorités publiques, puisque dans la réalité des choses, quel est notre réel pouvoir face aux opérateurs numériques, face aux différents acteurs économiques. Tout ça conjugué à des bouleversements. On vit aujourd'hui, bien sûr, une crise sanitaire sans précédent qui nous amène tous à réfléchir et qui a ébranlé, je pense, chacun et chacune un peu dans ses fondamentaux. Mais l'impératif climatique aussi, vous y faisiez allusion tout à l'heure dans le sens de la délégation qui m'a été confiée. Je suis deuxième adjointe en charge de la résilience et de la prospective. Alors, la résilience est certes l'adaptation des systèmes urbains aux chocs qui vont arriver, qui peuvent être violents, y compris climatiques. On pense aux inondations, aux pics de chaleur, à la sécheresse, mais y compris à comment on va vivre structurellement avec un climat plus chaud. Et c'est vrai que des instituts de recherche ont lancé depuis un certain nombre d'années la corrélation entre les différentes crises sanitaires. On parle aujourd'hui, et c'est bien naturel, du Covid-19, mais l'augmentation d'autres maladies comme la dengue nous oblige aussi à repenser, parfois certains à remettre en cause la densité aussi dans les espaces urbains par rapport à la propagation de virus et de problématiques de santé. La résilience, ça doit se penser, bien sûr, ça doit être suivi d'action aujourd'hui, mais ça doit se penser sur le moyen et le long terme. Et ça doit être compris aussi. Alors, quand on parlait de résilience, il y a une année encore, on ne comprenait pas tout à fait quel pouvait être le concept. Aujourd'hui, on comprend un peu mieux ce que ça peut vouloir dire. Et ce n'est pas seulement l'adaptation des systèmes urbains aux chocs à venir liés au changement climatique, mais on voit bien que pour résister aux chocs, et je pense que la crise nous donne déjà cet enseignement, même si on est loin d'en être sorti, c'est qu'on est profondément des animaux sociaux et que dans la ville, l'organisation de la vie sociale est un élément et un facteur déterminant pour mieux résister aux chocs. On a bien vu que l'isolement des individus provoque beaucoup de dégâts et qu'on résiste beaucoup moins tout seul que quand on est plus soudé. Le rôle clé et la solidarité dans la ville. On a par exemple vu l'émergence sur un site internet Nantes Centraide où on a une affluence, une abondance d'actions, et je peux citer une action qui est une conjonction, alors c'est un peu une innovation aussi dans la manière dont on conduit nos politiques publiques, c'est-à-dire que pendant le confinement, c'est non un élu qui a donné une orientation, mais un service municipal, donc les agents de la fonction publique, dans le sens de l'intérêt général et du commun qui les anime, et a inventé un projet qui s'appelle Paysage nourricier, donc sur lequel nous avons communiqué hier, puisque le SEV, donc le service des espaces verts, s'est dit qu'au lieu de planter des fleurs, des arbres, etc., ils allaient produire de la nourriture, des légumes frais, pour reconnecter aussi les urbains à la nature, ce dont aussi nous avons besoin. Je pense que ça nous montre aussi l'émergence, on en parle beaucoup, ça va être un des mots-clés de cet après-midi sûrement, mais l'entrée en politique de certains thèmes, l'alimentaire en est un, assurément, avec des politiques publiques qui s'en emparent, ou des actions publiques peut-être même, parce que politique publique, ce n'est peut-être pas encore complètement structuré. On imagine que c'est un enjeu métropolitain pour le coup aussi, c'est-à-dire comment des actions qui ont été très portées par les villes, et je pense notamment à la période immédiate, ont vocation peut-être à trouver une ampleur à une autre échelle. Je voulais peut-être juste vous reposer une question entre démontrer, explorer et transformer que Charles évoquait. Pour vous, les enjeux sont plutôt où aujourd'hui à Nantes ?
Je pense qu'il y a besoin des trois composantes. Je pense, mais après c'est une approche venant des Pays-Bas, que le droit à l'expérimentation, mais une réelle expérimentation, et donc on apprend souvent plus de ses erreurs que de ses réussites, doit être un facteur de transformation de la ville. Il faut démontrer qu'il y a des choses qui marche, comme je viens de vous citer un exemple, mais c'est important de voir ce qui a marché dans cette expérimentation qu'on va pérenniser, donc il va aller au-delà de l'expérimentation, et ce qui marche moins, mais surtout, il faut transformer, puisqu'on a quand même un temps relativement limité, et donc, de ce point de vue-là, il faut quand même engager et affirmer un certain nombre de ruptures qui se font pas sans frottement. On parle d'urbanisme tactique lors du déconfinement et notamment du fait que, d'un point de vue de sécurité, là aussi, il fallait faire la place sur notre espace public à d'autres modes de déplacement qui permettaient plus de distanciation sociale et qui permettaient de continuer à circuler dans la ville. Et donc, de ce point de vue-là aussi, on voit qu'il faut démontrer, expérimenter, innover, et il faut engager un certain nombre de ruptures assez claires et déterminantes. Et il y aura forcément des frottements dans les usages qu'il faut assumer, qu'il faut pouvoir débattre et exposer. Merci Julie. Nous avons 10 minutes pour débattre suite à ce premier temps. On est d'accord qu'on essaie de laisser un peu la pandémie à la porte, si c'est possible, pour y revenir plus clairement dans un deuxième temps. Alors, je ne sais pas si je regarde mes collègues, si certains veulent rebondir. Moi, je veux bien lancer une chose, c'est un point qui était soulevé sur l'enjeu des innovations procédurales. François Ménard en a parlé à propos des appels à projets dits innovants, mais qui étaient souvent des réinventés. En effet, on est ici sur du procédural qui n'est pas toujours le plus manifeste et le plus visible. Et c'est probablement très différent de ce qu'on voyait il y a 2 ans, quand on mettait en avant un quartier démonstrateur, une maison 3D fabriquée par un robot, une voiture autonome qui circule sur un petit bout d'espace public. Est-ce que là, c'est un témoignage de rupture et est-ce qu'on est sorti de ce monde d'avant qui est un monde d'hier en vérité, ou est-ce que c'est une tendance qui va rééclore dès que possible? Qu'en pensez-vous? Jean-Luc Charles. Je veux bien répondre à ça de manière un peu provocante. Et je vais rebondir sur ce que disait Julie. Le monde de demain, c'était le monde des solutions, en fait. Et je pense qu'on n'est pas à la recherche d'une société de solutions. On est en droit de se questionner. Parce qu'on va rentrer dans un nouveau régime climatique et dans une logique de transformation très profonde de nos modes de vie. Donc, auquel cas, je pense que si on parle d'urbanisme et de fabrique de la ville, il faut évoquer un urbanisme de la transformation, un urbanisme des usages, un urbanisme des modes de vie, qui ne travaille pas seulement sur la ville nouvelle, mais sur la ville qui est déjà là. Parce que la vraie difficulté n'est pas sur ce qu'on va fabriquer dans les années qui viennent. La difficulté, elle est sur le stock, c'est-à-dire sur la ville qui s'est sédimentée et sur lequel on a les plus grandes difficultés à engager les transformations. Je renvoie à l'idée, je reprends un concept de Bruno Latour. On est victime avec la globalisation d'une espèce de perte de sol. Donc il faut réinterroger la ville et faire en sorte qu'on travaille dans la singularité. La singularité, c'est aussi, quand on fabrique la ville nouvelle, d'éviter de répondre à des logiques industrielles ou néo-industrielles qui fabriquent du macro-colo, qui fabriquent une ville générique. Et donc il faut revenir à ce que moi j'appelle l'urbanisme des usages. Et ça interroge les aménageurs et notre métier. En règle générale, quand les espaces publics sont livrés, les bâtiments sont construits et les habitants sont là, les architectes, les urbanistes, les aménageurs, les promoteurs sont partis.
échappant en quelque sorte à la mise en activation, la mise en vie de la ville. Voilà. Un urbanisme des usages pour un aménageur consiste à faire en sorte que on active les quartiers qu'on livre, ou en tout cas on soit aux côtés des habitants, des actifs, des étudiants, des créateurs, pour les accompagner dans la mise en animation en fait de cette ville à transformer. Voilà. Ce que je voulais dire pour revenir sur la très bonne analyse qui a été faite des différentes formes d'urbanisme qu'on a connues jusqu'à présent. Après, il faut de toute évidence un urbanisme des fonctions, un urbanisme de programmation, un urbanisme des tracés. Mais ça, c'est des composantes qui permettent, au travers d'un débat collectif, d'imaginer une ville souhaitable et d'aller vers la ville possible. Mais ce ne sont que des approches qu'il faut croiser, discuter, ajuster, corriger. Voilà. Merci Jean-Luc. Un urbanisme des usages qui est proche de l'urbanisme du quotidien que pouvait évoquer récemment Jean-Marc Hoffner en disant que tout compte fait, l'innovation aujourd'hui, elle se joue peut-être tout simplement à essayer de régler les problèmes que les gens rencontrent. Et ça suppose d'abord d'être en capacité de décrire ce que c'est que le quotidien des uns et des autres avant de songer à des prototypes qui vont aider tel ou tel secteur d'activité à trouver un nouvel objet qui serait un objet magique, entre guillemets. François, est-ce que tu souhaites rebondir avec... Bonjour, mon micro, écoute, non, pas à ce stade, je reviendrai peut-être plus tard si tu me redonnes la parole. Merci. Raphaël. Moi, ça m'a amené à me poser une question en fait en vous écoutant. C'est que finalement, dans un monde où il y a de la certitude et où en tout cas une croyance un peu folle que les ressources sont illimitées, dans la planification urbaine notamment, les temps longs se sont immédiatement imposés à tous. Et ce qui donne de la visibilité, ça rassure les acteurs économiques et donc on voit à peu près là où on va. Et avec ces moments beaucoup plus troublés où l'incertitude s'impose, le brouillard de guerre, si je puis dire, est là. Il y a quelque chose d'un peu déroutant, c'est comment on articule des temps beaucoup plus courts, qui sont ceux des urgences immédiates, avec des solutions locales, mais encastrées dans des problématiques complexes, et les temps longs, qui continuent finalement d'alimenter la morphologie urbaine et le développement des territoires. Et ça, je trouve que c'est un défi un peu nouveau qui vient se poser aux politiques. C'est de la micro-décision pour parfois des micro-quartiers, des micro-problèmes, mais qui, articulés aux uns et aux autres, finalement, fabriquent des solutions globales mais territorialisées. En tout cas, comment on gère l'articulation désormais du temps long et du temps court ? J'ai pas de réponse immédiate, moi, mais je trouve que c'est une question qui est un peu nouvelle. Après vous posez deux questions, c'est-à-dire que à chaque fois l'addition de micro-solutions sur des territoires donnés et à la fois aussi bien agir sur l'urgence sans perdre de vue la prospective et dans quoi ça s'inscrit de manière globale. Moi, je suis assez convaincue à l'aune de cette crise-là. En tout cas, le meilleur exemple ou l'exemple le plus parlant et le plus visible aujourd'hui, c'est les pistes cyclables et l'urbanisme tactique qui s'est développé un peu partout. C'est-à-dire qu'à la fois, on répond à une urgence immédiate et en même temps, on travaille aussi sur le temps long. Et ce qui peut être intéressant dans cette crise, dans cette prise en compte de cette crise, c'est que les lignes ont changé. C'est-à-dire que là, on pouvait avoir... D'un côté, la collectivité, qu'elle soit prescriptrice ou qu'elle soit animatrice dans la manière de porter son action publique, des acteurs privés qui, d'un côté, pouvaient vouloir plus des pouvoirs publics pour aller plus vite dans leur activité, la développer plus ou essayer de la contourner, et la société civile plus associative, etc., d'un autre côté. Aujourd'hui, la crise et l'urgence a un peu bousculé ces lignes-là. On le voit dans les solutions qu'on a réussi à trouver, qui n'ont pas respecté des cadres réglementaires, y compris pour l'exemple des pistes cyclables, nous n'avons pas suivi le même processus. Et je pense que ça, c'est une forme d'innovation, une forme d'intérêt général et commun sur lequel on peut se rassembler et du coup faire bouger des cadres et des manières d'agir ensemble. Sur cette question des temporalités, François, cette fois, veut intervenir. Je vous remercie. Oui, je pense que à la faveur de la crise, on a
une crise de l'innovation. Et ce temps court, précisément, c'est une réponse, une alternative à des innovations qui sont là pour préparer, pour préfigurer le long terme. Alors, quand vous disiez d'ailleurs à très juste titre qu'il y a une réponse à l'urgence, aujourd'hui, l'urbanisme tactique, comme l'urbanisme transitoire, ça consiste à introduire de nouveaux usages ou de nouvelles fonctionnalités sur des temps courts dans la perspective de leur réversibilité ou de leur évolution ou de leur transformation, mais pas dans la perspective de constituer une préfiguration de ce que sera le bon espace, la bonne ville, les bons services de demain. Et si on raccorde ces démarches-là qui relèvent d'une forme de contingence à cette obligation qui a été introduite par le développement durable de doter nos projets, nos infrastructures de réversibilité, on entre dans un monde où le statut de l'innovation, le statut temporel de l'innovation change complètement. Et ça participe aussi à ce que j'appelle la crise des régimes de présence du futur dans le projet urbain. Merci François. Charles. Oui, c'est une question fondamentale que nous pose, je pense, Raphaël Suire sur la question de l'articulation de l'urgence et de la prospective et du temps long. J'entends par exemple qu'on va développer des pistes vélo dans l'urgence pour pouvoir pallier à une certaine demande de changement de comportement vis-à-vis des modes de transport. Le temps nous manque pour pouvoir évaluer, mais il faut se poser, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Jean-Marc Hoffner, dont on parlait tout à l'heure, nous disait il n'y a pas longtemps à Grenoble, attention, le vélo peut être une fausse bonne idée, dans le sens où finalement, les premiers chiffres montrent que, à mesure que l'on développe dans les villes denses des pistes vélo, non seulement on ne grignote pas la part modale de l'automobile, par contre, on utilise et on sanctuarise de l'espace qui pourrait être dévolu à la marche, par exemple, si on voulait grignoter de la place de la voiture. Donc, par contre, la question du vélo pourrait être intéressante dans les espaces périurbanisés comme report vers les infrastructures de transport public. Attention à ne pas dévitaliser concrètement les transports publics. Mais bon, là, il faudrait plus de comptabilité, plus de temps. Plus généralement, j'entends aussi l'urbanisme tactique. C'est intéressant, l'urbanisme tactique. C'est comment, à un moment, un collectif d'individus va s'emparer d'un espace et le hacker quelque part, trouver une nouvelle fonction. C'est bien, mais à quelle vision du temps long ça se raccroche? Il faut faire attention parce que ce que j'ai essayé de vous expliquer dans le passage progressif de la planification à l'expérimentation, c'est aussi l'idée selon laquelle on a oublié le temps long. Et finalement, s'adapter à l'incertitude, c'est très certainement redécouvrir le temps long. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas, ça ne signifie pas que la planification est totalement obsolète, ça signifie peut-être qu'il faut l'envisager un peu différemment. Il faut être plus réflexif, peut-être qu'il faut apprendre du projet urbain l'idée qu'un document d'urbanisme doit pouvoir s'adapter facilement. Peut-être qu'il faut se donner de manière procédurale des capacités, non pas à déroger, mais à être agile. Et il me semble quand même que il faut faire attention à l'exégèse permanente du temps court, du micro, du tactique. Ce sont des choses intéressantes qui doivent s'articuler à une vision plus lointaine, finalement, de ce que pourrait être la ville. Et je conclurai simplement en disant que je suis entièrement d'accord avec ce que disait Jean-Luc Charles sur le projet ne s'arrête pas au moment où les premiers locataires ou propriétaires arrivent dans un quartier. Au contraire, en fait, le projet devrait pouvoir continuer en permanence. Je voudrais juste rebondir sur l'articulation entre ce qu'on appelle l'urbanisme tactique transitoire et le temps long. Je ne pense pas que ce soit contradictoire ou incompatible. Si on travaille notamment avec des citoyens et des collectifs, il est très intéressant de combiner les deux, c'est-à-dire de mettre en place ce que j'appelle un urbanisme par couche ou par strate.
Pourquoi délivrer des espaces publics, par exemple, avec un aménagement définitif? Est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps de tester avec les usagers la mise en place d'un certain nombre de dispositifs pendant 2 ou 3 ans? Au bout de 3 ans, on regarde si ça a marché ou ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, on se remet à l'ouvrage et on retravaille sur une nouvelle hypothèse jusqu'à ce que, par exemple, une voirie ou une place trouve ses usages, un bon usage de la cohabitation entre les habitants. Ça renvoie à des difficultés qui sont des difficultés techniques et réglementaires. C'est-à-dire que comme aménageur, une fois que j'ai fait un aménagement, je le remets en gestion, j'ai le parfait aménagement, j'ai le parfait achèvement, et après je le remets en propriété. Donc c'est toutes ces règles qu'il faut reprendre et remettre en cause pour combiner urbanisme tactique et transitoire avec le temps long. Voilà. Je pense que si on travaille comme ça, on n'y arrive pas encore, là, ça, moi, mais on va aller au bout de ça. On aura des espaces publics appropriés parce que les gens seront identifiés à ce qu'ils ont eux-mêmes co-construit et ils ont vu que faire vivre une place, c'est compliqué. Ça ne va pas de soi, ça ne vient pas d'en haut. Comme les places italiennes ou les places méditerranéennes qui sont construites avec le temps. Hein, je veux dire, c'est un travail d'ajustement et c'est pour ça qu'elles sont réussies. Hein. J'aime beaucoup cette idée de la séquentialité et de la cumulativité parce que ça amène immédiatement à une autre notion qui est celle de la réversibilité et jusqu'où on peut aller dans la cumulativité pour rendre les choses réversibles. J'ai l'impression qu'on ouvre plein de questions en temps de crise. Peut-être je vous propose de passer à un temps d'échange mais qui va nous permettre d'approfondir un peu ces discussions. Tu disais, Laurent, la pandémie est à la porte. Ben, en fait, la pandémie, elle a frappé les villes. Au fond, beaucoup d'entre elles ont cherché à s'adapter. Alors globalement, c'est extrêmement compliqué d'imaginer quelle direction il fallait prendre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis un peu sur le devant de la scène, alors y compris académique, mais y compris dans, je dirais, le vocabulaire des acteurs publics, la notion de résilience, qui est un terme qui est ancien au fond. Hein, on a toujours travaillé sur la résilience des systèmes. Et d'un coup, est apparue cette idée que les villes devaient rechercher finalement leur propriété de résilience. Alors vous avez un mandat qui englobe ce concept quand même assez complexe à appréhender. On en parlera tout à l'heure. On a la chance d'avoir avec nous Montserrat. Montserrat, je ne sais pas si tu m'entends, tu dois avoir une traduction. Ah, ok, super. Donc Montserrat, elle est professeure d'économie à l'Université de Barcelone. Elle a beaucoup travaillé sur la ville créative et la création dans les villes. Et je crois qu'à travers le travail que tu as mené à la fois d'observation, c'est que deviennent les villes partant de pandémie, ou quel type de fonctions sont affectées. On penserait aux mobilités, évidemment, mais historiquement, la ville, c'est le lieu des coordinations les plus variées. Ce sont les creusets d'innovation. C'est là où il y a des interactions sociales particulièrement denses. Et tout ça, le Covid, je dirais, est venu un peu chambouler la donne. Et puis, tu es à Barcelone, tu as aussi observé un certain nombre d'initiatives ascendantes, très territorialisées, que tu as cherché un peu à mettre en relief. Et peut-être qu'on pourrait te laisser un peu un temps de présentation, de ta réflexion, de ton analyse, ce que tu appelles la ville résiliente, à travers notamment les exemples que tu as pu observer à Barcelone. Oui, tout à fait. Je crois que ma présentation va s'afficher. Elle est ici et voilà. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'ai de très bons souvenirs de mon passage à Nantes il y a un moment pour le Forum de l'innovation. Nous avions parlé des industries créatives, des villes créatives. Comme cela a été bien dit, je suis effectivement économiste. Je viens de Barcelone. Effectivement, ce concept de résilience mérite que l'on s'y attarde. Il est très utilisé quand on parle des villes et de la manière dont nous avons pu réagir à l'impact de la pandémie. Qui plus est, ce que j'aimerais souligner à la faveur de cette présentation, c'est que ce n'est pas nouveau.
C'est quelque chose que notre ville connaît depuis un moment. Il y a eu un certain nombre de chocs qui ont poussé notre ville, ou les villes d'ailleurs, à s'adapter aux situations nouvelles. Je pense qu'on peut tous dire que nous vivons, en particulier à notre époque, en ce moment, dans des scénarios vraiment très très particuliers, et cela crée beaucoup de stress, beaucoup de tensions entre les forces politiques, entre les différents acteurs de la vie de la ville, au niveau national, régional et supranational, on sait. La ville, par définition, c'est un lieu où il faut vivre ensemble, c'est un lieu de vivre ensemble, c'est une densité inhérente à la définition de la ville, et c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié à certains égards. Les villes sont des lieux de distanciation physique, c'est une nécessité sanitaire, alors que la densité, c'est l'âme de la ville. Qui plus est, la ville, c'est un lieu d'action publique qui peut être descendant, avec la municipalité qui s'est fixé des objectifs en fonction d'un mandat. Bon. Mais nous avons vu également depuis le mois de mars des approches ascendantes, très intéressantes, qui sont non ou auto-organisées et qui donnent à la ville, qui redonnent à la ville un sens dans les communautés, dans les quartiers. Nous sommes riches d'une certaine diversité dans nos réactions à la pandémie, et comme j'y reviendrai, mais nous avons des outils et des ressources pour agir. Alors, je le disais, la pandémie, ce n'est pas nouveau. Nous en avons vu plusieurs et on nous avait déjà dit que si ça n'était pas une pandémie, ce serait un virus d'un type ou d'un autre, ou alors le changement climatique. Enfin, voilà, une menace assez généralisée qui pesait sur nous. On se souvient de la grippe dite espagnole et ses représentations d'il y a une centaine d'années. On voyait ces assignations à résidence et puis ces masques d'ores et déjà comportaient. Ça, c'est poster qui date d'une centaine d'années. C'est de la ville de Chicago qui a présenté Chicago comme la ville la plus saine au monde. Et tout le monde était enfermé. Alors, la résilience est liée à la nature des chocs. Avant le COVID-19, nous étions déjà conscients de la question de la résilience dans la ville. Face aux conséquences du changement climatique, on voyait des exemples de réaction à ces changements externes qui touchaient la ville. Vous voyez des exemples, pas de Barcelone certes, mais face à ce choc, la ville résiste, la ville s'adapte. Alors, quand on parle de résilience, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut dire au départ, c'est que la résilience découle d'un champ scientifique. Je cite la définition, c'est la mesure de la persistance des systèmes écologiques et leur capacité à absorber les chocs et les perturbations et à maintenir les mêmes relations entre les variables d'état. Alors, une ville, bien sûr, ce n'est pas un laboratoire. Et en termes de sciences sociales, on sait qu'on ne peut pas faire d'expérience avec les villes. Les villes sont des lieux de dynamisme, ce sont des sources d'interaction. Les villes, ce sont là où les communautés urbaines sont en lien les uns avec les autres, de manière volontaire, de manière accidentelle, non intentionnelle. Ce sont également des acteurs très résilients, mais il y a des institutions beaucoup moins résilientes. Par exemple, dans certaines villes, les Fab Labs ont réagi très très vite en produisant ce qu'elles pouvaient, en aidant à leur manière en cette période de pandémie.
Mais on sait également qu'il y a des institutions, comme je le disais, qui ne sont pas nécessairement très résilients. Nos concitoyens les plus âgés ou les personnes qui n'ont pas accès à Internet. La résilience, c'est un processus, c'est un continuum, c'est pas une fonction, une capacité ou une qualité. C'est la capacité pour une ville d'aller, je dirais, d'un état A à un état B. Alors, quelles sont les sources de résilience d'une ville? Alors, tout cela, je ne l'invente pas, bien sûr, c'est basé sur des travaux de recherche universitaire. Les éléments sont, en général, des ressources, qu'elles soient naturelles ou des ressources créées. Et les infrastructures qui ont été créées ou installées dans la ville, bien sûr, les citoyens, les habitants, l'environnement construit, mais également l'atmosphère, les coutumes, les traditions, la disponibilité de la technologie et, bien sûr, la génération de connaissances. On parlait d'innovation dans la ville. Nous sommes très fiers de ce mouvement de partage, d'autopartage à Barcelone. Avant la pandémie, nous essayions d'encourager les gens à partager leur trajet en voiture et ce mouvement avait été très populaire, mais ça avait déjà été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale avec ces panneaux qui mettaient en scène Hitler à l'époque. Donc il y avait une sorte d'innovation là pour encourager la résilience face à un choc. Mais il y a également des preuves de résilience dans le télétravail, le travail à la maison avec sa famille. Et c'est très intéressant parce qu'il y a eu des rapports, notamment le rapport Baines, publié en 2016, donc bien avant la pandémie, qui établissait le fait que le coût des technologies baisse. Alors, pourquoi se rendre tous les jours au travail alors qu'on peut travailler de chez soi, ne pas rester dans les gros embouteillages, etc., au quotidien? On sait que la pandémie a montré une résistance, dans certains cas, et dans d'autres, une résilience, parce qu'en fonction des cas, on pouvait facilement ou difficilement travailler depuis chez soi. Comme vous le savez, cette pandémie a poussé beaucoup de gens à réfléchir à leur situation immobilière et de vie, parce que en cas d'un autre, de nouveau confinement, voire au pluriel, voudraient-ils rester dans la ville? Est-ce que, en particulier dans les centres-villes, parce que par définition, les centres-villes, c'est là qu'il y a moins d'espace, plus de densité, moins d'espace par personne, disons. Donc je viens de Barcelone, comme cela a été dit, et je crois qu'il est intéressant de partir d'un exemple bien concret, la ville de Barcelone. En tant qu'économiste, on se souvient des mots de Keynes, à long terme, on sera tous morts. Mais au moins, on peut regarder la gestion de la ville, et de la crise entre mars et mai de cette année, certes, mais aussi on peut envisager les perspectives futures de la ville. Donc ce qu'il faut, je pense, observer à court terme concernant la ville, c'est l'engagement des quartiers, des communautés, leur participation. Il y avait ce sentiment d'expérience commune qu'il fallait d'une manière ou d'une autre partager chacun depuis chez soi. Donc les outils de cet engagement citoyen, disons, moi si j'étais sociologue,
Je dirais que avant le Covid, c'était on s'enfonçait de plus en plus dans l'individualisme et il y avait un déclin justement de ce vivre ensemble, et ça, du coup, ça a été paradoxalement une bonne nouvelle. Les Fab Labs que j'ai évoqués ont été très très mobilisés, se sont mobilisés justement pour produire des équipements de protection individuelle qui étaient tout à fait nécessaires, tout à fait indispensables. À Barcelone, la réaction justement de ces lieux, de ces Fab Labs, ont été formidables parce qu'ils ont produit pour tous les quartiers de la ville, pour toutes les catégories. Qui plus est, depuis le retour de la démocratie en 1975, nous avons toujours eu à Barcelone des endroits, bien sûr, publics où on peut flâner, où on peut rencontrer les gens, où on peut être ensemble. Et des lieux emblématiques sont nés de ces pratiques. Et ces lieux ont servi à distribuer de la nourriture pendant la pandémie. Une sorte d'infrastructure sociale et donc ce sont des sortes de micro-agents comme on a pu le dire qui connectent très bien les citoyens à leur ville. Il y a eu également, on a parlé des initiatives ascendantes, mais il y avait également bien sûr beaucoup d'initiatives descendantes de la collectivité locale. La collectivité locale a fourni des outils en ligne, des outils numériques, parce qu'on sait qu'un certain nombre d'entreprises ont dû numériser totalement leurs services. Pour pouvoir protéger la santé de nombreux employés et de nombreux fonctionnaires municipaux aussi. Donc on sait que Barcelone, et comme bien d'autres villes d'ailleurs, a plutôt bien réagi à la pandémie, à part le fait, bien sûr, que on en a par-dessus la tête, effectivement, de ce monde virtuel qu'on nous impose. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous se sont rendus à Barcelone. Et vous voyez ces photos, ce n'est pas des choses que l'on voit souvent, les Ramblas, principale artère de la ville, vide, en plein jour, en pleine semaine. Donc normalement, on pourrait à peine voir le trottoir. Qui plus est, il y a eu la fermeture d'un certain nombre de boutiques, de magasins, qui ne pourront pas réouvrir. Et il y a eu également beaucoup d'effets délétères sur le marché immobilier. Du fait de l'impact du... Alors, avant le Covid, l'impact des nouvelles pratiques de tourisme comme Airbnb, par exemple, même s'il avait été freiné, je dirais, dans sa montée, une bonne partie du foncier, enfin de l'immobilier privé, du parc privé, avait été absorbé, je dirais, par ces locations de tourisme privé, alors que maintenant, il y a une offre énorme parce qu'il y a beaucoup d'appartements vides, non loués, à Barcelone. Alors, c'est peut-être parce que c'est vendredi, je suis un peu fatigué, donc je voulais vous montrer la situation du point de vue du tourisme. Mais j'ai pris cette photo il y a 2 semaines. Donc là, j'étais vraiment choqué. Il faut vraiment faire beaucoup mieux, on le sait, mais ça ne va pas être facile quand on voit cela. Alors, ce que je dois dire, c'est que la pandémie peut être considérée comme une occasion à saisir pour repenser la ville, reprogrammer la ville et l'analyser sous un œil, avec un œil nouveau. C'était déjà un défi pour la ville, mais maintenant, le défi pour la ville, c'est le manque de touristes.
c'est un manque à gagner économique pour la ville, donc il faut changer nos pratiques. Qui plus est, à la faveur de la pandémie, nous avons vu que le fossé numérique, la fracture numérique est là, elle existe bel et bien. Elle crée une ligne de fracture au sein même des territoires, des communautés, mais au sein entre les entreprises également. Et malgré les énormes ressources disponibles et qui ont été mises à disposition par le gouvernement local, par les autorités locales, ça n'a pas résolu la question. Un architecte barcelonais qui est responsable de l'urbanisme à la mairie de Barcelone a dit que si la pandémie accélérait une chose, c'est qu'elle accélère le futur, elle accélère l'avenir. Et il faut effectivement penser à ces circulations totalement différentes désormais dans la ville. Donc la ville était libre, était vide. Et c'était une occasion de fait qui nous était donnée de faire des changements, des évolutions. Et on s'est dit, la ville est vide, profitons-en et créons plus de zones piétonnes. Ça, on l'a fait de manière provisoire. Vous voyez ici des initiatives pédestres éphémères. Ça a été très critiqué par beaucoup, ces couleurs criardes jaunes. Et mobility like bicycles or motorbikes or things like that or patins, I don't know how to say that in English. Donc pour pour encourager la mobilité alternative, vélo, même deux roues motorisées ou skate. Donc c'était bien sûr quelque chose de provisoire. La mairie souhaitait peut-être transformer cela en quelque chose de plus durable, mais justement la mairie ne voulait pas rater cette occasion pour tenter quelque chose, pour étendre les zones piétonnes dans la ville. Et ça correspond également à la fermeture le week-end de certaines villes, de certaines rues que l'on voit dans certaines villes. Alors, pour certains services comme les taxis, ce n'est pas très pratique si un week-end, certaines artères sont fermées. Bon. Vous connaissez peut-être la Mercée, qui est une fête qui se produit le 24 septembre à Barcelone. C'est une sorte de festival. Cette année, c'était presque uniquement en ligne, bien sûr. Des festivités qui attirent beaucoup de Français, d'habitude. Et il y a eu... c'était bien sûr, nous avons réduit de beaucoup la voilure. Alors, pour résumer la chose, peut-être pour nourrir un petit peu le débat, je pense qu'on peut tous dire que nous avons toujours les mêmes enjeux urbains devant nous. Nous voulons des villes égales, inclusives, plus saines, qui respectent l'environnement, même si la pandémie est passée par là. Et il se peut que l'avenir arrive plus vite que prévu. C'est un enjeu à relever, mais considérons que la pandémie a été un moteur, il nous a encouragés à l'action. Donc voilà, une occasion de repenser la ville, mais vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire que cette réflexion qui se fait dans la douleur, toujours, puisque vous savez peut-être que Madrid, il y a quelques heures, a été remis en confinement total. Donc, en tant que professionnel, chercheur, décideur politique, pour nous, il y a des choses qui ont été révélées à la faveur du confinement qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Tout d'abord, le soin qu'il faut apporter aux populations plus âgées et également faire la part belle, je dirais, à leurs valeurs et les prendre en compte. Parce qu'il nous faut imaginer un nouvel avenir pour les territoires, pour les communautés, pour la ville. Et récemment,
certaines valeurs, je dirais, certaines habitudes ont été mises de côté, ont été abandonnées ou perdues. Et cette pandémie a peut-être été l'occasion de revisiter des aspects, des valeurs qui avaient été mises de côté à la faveur de l'individualisation de notre société. Vous vous souviendrez peut-être que Lady Gaga a donné un concert lors d'un festival et on regardait, on a suivi du fait de la musique, mais parce qu'aussi l'événement avait une nature internationale, virtuelle et qui nous connectait un peu tous. Donc, il faut regarder en face les vrais enjeux, les vrais défis. Est-ce qu'on va retourner à une certaine normalité? Est-ce que c'est la nouvelle norme? Mais est-ce que c'est quoi? C'est porter des masques pendant des années? Mais après, est-ce qu'on va regarder cela par un prisme un peu ancien ou est-ce qu'on va changer notre approche? L'importance de la temporalité est là. On sait qu'il y a des nécessités tout à fait immédiates. On sait qu'il y a des entreprises qui ferment. Le Premier ministre espagnol vient d'annoncer qu'il y avait 800 000 nouveaux chômeurs à déplorer et qu'il fallait créer justement des centaines de milliers d'emplois. Donc comment gérer ce choc à court terme? Mais je crois que la durabilité, qui est une valeur que nous portons, que nous soutenons, nous avons des objectifs de développement durable, peut-être faut-il les réviser et peut-être faut-il envisager les villes sous un angle plus, voilà, plus durable. Concernant la question justement du respect, du soin à prendre avec les aînés, repensons à la manière dont les maisons, les immeubles étaient construites auparavant. Et parce que tout n'est pas jeté, et donc il faut peut-être se souvenir de la manière dont la ville avait été construite autrefois, était constituée autrefois. L'importance de la technologie est là parce qu'elle permet une certaine résilience, mais tout le monde n'a pas le même accès à la technologie. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il faut, je dirais, bien passer du prototype à une échelle municipale, l'échelle de la ville, les droits numériques, la protection de la propriété privée, il faut en être conscient, les droits sur la vie privée. Et dans une situation post-Covid, il faudra des évolutions réglementaires pour une nouvelle société. Et si je puis citer Cécilia Tam, qui est architecte, penseuse, et bien d'autres choses encore. Quelque chose qui est fait, c'est mieux que quelque chose qui est parfait. Ou faire, c'est mieux que parfaire. Pour un économiste, traditionnellement, on va se dire, bon, regardons le marché, regardons les lacunes sur le marché, et le marché, c'est le meilleur modèle pour réallouer, redistribuer les ressources. Bon, mais peut-être que la super-efficacité de certains secteurs n'est pas ce qu'il faut rechercher, n'est pas idéal en termes de risques sociaux. Et maintenant, nous sommes témoins à l'heure actuelle du fait que cette super-efficacité de certains secteurs aboutit à d'énormes difficultés pour certaines communautés. Super-efficacité, en gros, c'est laisser s'en remettre au marché pour tout. Je ne parle pas nécessairement de l'action publique en ce domaine, mais je crois que même dans les entreprises privées, il y a des valeurs qui sous-tendent cette idée de super-efficacité. So this is also why I think that we, I mean, that goes farther from the city, but
Ça nous éloigne un petit peu du thème de la ville, mais le fait de repenser le management, la gestion des organisations et des entreprises, elle joue un plus grand rôle que par le passé. Les objectifs de développement durable, les anciens objectifs doivent être revisités à la faveur du nouveau jalon, du jalon 2030. Et je pense qu'un autre point intéressant, c'est qu'on a été capable de réagir. Et s'il y a un an, on avait dit à la population qu'ils allaient être confinés pendant plus de 2 mois dans leur maison, je pense que tout le monde aurait rigolé. Et en fait, cette période d'urgence a fonctionné. C'est intéressant d'un point de vue de la communauté. L'idée de la démocratisation des nouvelles demandes à l'heure de la numérisation, pour les espaces verts par exemple, qui est une nouvelle demande émergente de la part des citoyens, la combinaison entre les politiques à la fois qui viennent d'en haut et qui viennent d'en bas, eh bien, signifie qu'une direction stratégique est moins indispensable. Et en termes de développement urbain, eh bien, il est plus important que jamais d'impliquer les citoyens. Je suis vraiment favorable à la planification de l'urbanisation des villes. Et il est important de briser les frontières de la ville politique pour aller vers quelque chose de plus métropolitain, vers les nouvelles dimensions de la ville. Et c'est un mouvement qui prend de la force, et c'est lié notamment au fait que quand on cherche des solutions, on ne peut pas trouver des solutions tout seul. Il faut avancer un petit peu. Le besoin de coopération et de coordination entre les différents niveaux d'autorité des gouvernements fait bien sûr partie de ma liste de souhaits. L'importance d'un écosystème, d'une innovation et du bien-être des communautés dans la vision sociale post-Covid sera vraiment très présent. Qui va prendre le leadership? J'y reviendrai. On sait que les communautés proposent beaucoup de solutions, mais ce n'est pas forcément à la communauté de mener la relance et la reprise. La programmation de la relance doit avoir une direction claire qui ne peut venir que de la sphère décisionnaire. On sait qu'il y a aussi de nouveaux modèles de coproduction dans la ville. Il y a la ville de 15 minutes qui a été mise en œuvre. L'idée aussi que nous sommes de plus en plus populaires, par exemple l'économie circulaire, les secteurs culturels sont de plus en plus populaires, mais nous devons aussi apprendre de nos erreurs. Nous devons regarder ce qui s'est passé et ce qui n'a pas marché. Pour une reprise, pour récupérer de cette crise et en essayant de comprendre ce que cette pandémie a signifié pour les villes, il faut vraiment apprendre de nos erreurs. Donc je vous remercie. Je vais finir mon partage d'écran. Je ne sais pas comment va fonctionner. Est-ce qu'on a des questions ? Pour ces réflexions et ces pistes que tu nous offres, ce que je retiens, c'est que je ne suis pas tout à fait certain que les villes créatives soient résilientes. En revanche, les villes résilientes vont nécessiter beaucoup de créativité locales, vont nécessiter de la technologie, vont nécessiter de la dynamique. Et ce que tu apportes là, c'est plus en fait des pistes, parce que bien évidemment, personne n'a vraiment de réponse à ces questions complexes. Ce que j'aimerais, sans trop tarder, c'est peut-être laisser la parole à Hélène et puis à Emmanuel. Alors, vous êtes en charge d'un travail de recension pour le PUCA, d'un certain nombre d'initiatives locales, dont on voit qu'elles sont très éparpillées. En fait, elles ont été nombreuses, au fond, hein, et personne n'a eu le monopole des bonnes idées, mais peut-être avez-vous réussi à identifier, je ne sais pas, des invariances ou en tout cas des espèces de règles qu'on pourrait peut-être éventuellement dériver de vos observations. Donc, est-ce que vous voulez nous partager un peu ces réflexions ?
D'abord, merci Raphaël. Merci Montse, parce que je pense qu'une partie de nos observations trouveront écho à ce que tu viens de présenter. Donc c'est plutôt rassurant. Donc premier constat peut-être à partager avec vous, et on l'a vu depuis le début de cette table ronde, c'est que la fabrique de la ville a été très largement questionnée par la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de projets de traités, il y a eu beaucoup d'espoirs, de changements nourris, beaucoup de controverses et aussi un peu des élucubrations, on peut le dire. Est-ce que c'est la fin de la ville? C'est quelque chose qu'on a entendu, puisque densité urbaine égale probablement contagion. Est-ce que c'est la fin des transports en commun? Est-ce qu'ils vont disparaître au profit du vélo? Voilà des choses qu'on a entendues. Donc face à la crise sanitaire et à ses impacts, il y a eu énormément d'initiatives de recherche qui ont été initiées dans le champ de la recherche urbaine, puisque c'est notre sujet à nous. Des enquêtes, des tribunes, des articles, des appels à projets. Bon, tout ça était assez peu coordonné et il était difficile de s'y retrouver. Donc ça nous amène à notre deuxième constat, qui est la nécessité de prendre le temps de la réflexion. Oui, en effet. Du coup, il y a vraiment eu la nécessité de prendre le temps de la réflexion et de démêler les choses. Et c'est le parti pris du PUCA qui a vraiment donc initié un travail de veille et d'analyse afin de vraiment mieux comprendre ce que cette crise nous révèle dans la fabrique urbaine notamment. Et du coup, ce travail, on l'a réalisé donc en binôme avec les équipes du PUCA. Donc, pour vous expliquer un petit peu la méthode, on travaille sur un corpus qui est basé sur une veille généraliste, avec la presse, les quotidiens, une veille territoriale, principalement française, mais pas exclusivement, et une veille plus académique, avec notamment, on s'appuie sur différentes revues notamment. Et enfin aussi, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, on regroupe une série d'informations de différentes veilles initiées par différents organismes de recherche, comme la MSH Paris-Saclay ou encore le travail de l'École urbaine de Lyon. Donc, dans le cadre de cette commande, on a un certain nombre d'outputs, de livrables. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire une revue de presse avec la mise en place, qui s'est traduite par la mise en place d'un portail internet de sélection d'articles, d'anthèmes, autour de 8 thèmes qui nous sont apparus comme importants et primordiaux. Donc, il y a la mobilité, les espaces publics, le logement, la question de l'environnement, de la santé et de la biodiversité, les questions d'aménagement du territoire, les questions du bâtiment, BTP, construction, et les questions d'économie territoriale, économie circulaire, les questions du travail. Et pour accompagner ce travail, cette revue de presse hebdomadaire, on a des notes d'analyse mensuelles. Donc on a fait une première note un peu rétrospective sur les différents moments de la crise. La seconde était sur la biodiversité et celle à venir va être sur le logement. Donc on a aussi dans ce travail vraiment une recension des activités de recherche en cours, notamment dans le champ de la recherche urbaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette période, elle a été riche en expérimentations qui ont été commentées dans la fabrique urbaine. Le travail de veille le montre vraiment. Chaque temps de la crise a vraiment révélé ces expérimentations, que ce soit dans la gestion de la crise durant le confinement ou ensuite dans le cadre de dispositifs de planification plus durable. On a plusieurs grandes catégories d'innovation. À savoir, donc on a vraiment la question, ça recoupe des choses qu'on a dit tout à l'heure, les méthodes en urbanisme, donc faire avec les habitants. Donc c'est l'idée de mieux cerner les besoins pour faire notamment des logements adaptés, pour adapter les transports, pour co-concevoir la ville avec eux. C'est notamment le parti pris de Nantes et bien d'autres villes, par exemple Gand, Barcelone, Grenoble. Alors bien sûr, c'est des choses qui existaient avant la crise, mais ces méthodes ont été confortées. Et on peut notamment à Nantes évoquer le cas des pistes cyclables, des coronapistes, qui sont aujourd'hui évaluées par des citoyens a posteriori, pour voir si elles vont être adaptées, pérennisées ou non.
La deuxième chose, c'est vraiment la possibilité pour répondre à l'urgence de la pandémie d'être plus flexible, d'introduire des marges, des incertitudes. Donc ça, ça a été évoqué aussi. Donc quelque part, l'histoire de l'urbanisme, c'est de créer des espaces et de leur attribuer des fonctions, mais la crise a vraiment révélé la nécessité d'introduire des marges de manœuvre, de la flexibilité des usages et des fonctions. Comme l'a aussi dit tout à l'heure, comme on l'a déjà évoqué, on peut se dire que plus une ville est optimisée, peut-être que moins elle est résiliente, qu'il n'existe pas finalement de ressources cachées pour s'adapter et rebondir. À Nantes, encore une fois, un exemple ici, on voit que des lieux comme des tiers-lieux peuvent changer d'usage. On peut citer l'atelier Magellan, qui est un espace de résidence artistique, d'atelier, qui est devenu l'autre cantine, c'est-à-dire une plateforme de distribution des denrées alimentaires en faveur notamment des plus précaires. La troisième chose qu'on peut montrer aussi, c'est la capacité de rebond des collectivités territoriales et notamment des municipalités. Avec des prises de décision rapides pour aider des associations, mettre en place, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, les potagers solidaires par le service des espaces verts. Donc utiliser des espaces verts pour créer des potagers, distribuer des produits frais aux Nantais, notamment les moins favorisés. On voit qu'il y a une transversalité entre les services, les espaces verts, le centre communal d'action sociale. Il y a aussi des capacités de rebond et d'auto-organisation des citoyens. C'est important à noter, avec une série d'exemples, d'initiatives, dans un esprit « do it yourself », peut-être on peut s'interroger en relais d'un état défaillant, à travers des Fab Labs, pour créer notamment des équipements qui manquent à un moment donné, des respirateurs, des visières, à travers aussi des solidarités qui s'organisent dans les quartiers, les villages, avec la multiplication de projets portés par des citoyens pour porter des repas, tenir compagnie à des personnes isolées, et aussi, ça a été évoqué aussi, développer des circuits courts, et notamment des circuits courts alimentaires. Grande forme d'innovation, ou plutôt d'expérimentation, si on reprend la distinction que Charles nous présentait en début de table ronde. Quelque chose qui a été beaucoup souligné pendant la crise, c'est cette nécessité de changer de paradigme en urbanisme. Intégrer la biodiversité en amont et repenser la place de la nature en ville, préserver les écosystèmes. Plus largement, la crise sanitaire, elle a été l'occasion de remettre l'homme à sa bonne place, c'est-à-dire au sein de son écosystème et pas au-dessus. Par exemple, l'ensauvagement. Alors, au sens du déploiement rapide de la faune et de la flore, je précise, pendant le confinement, nous invite à penser de nouvelles formes de cohabitation entre l'homme et la nature, l'homme et les animaux. Donc ça se matérialise un peu partout. Dans la revue de presse, on l'a vu, des permis de débitumer, voilà, qui se multiplient, des projets plus importants de développement de corridors écologiques, qui sont des solutions beaucoup plus structurantes. Voilà, des projets qui se multiplient et un centre de recherche qui prend de l'ampleur. Donc on peut noter un appel à projet du PUCA qui s'intitule BOM, qui a pour objet d'inciter les chercheurs à regarder tout ça de plus près. Biodiversité, aménagement urbain et morphologie, voilà des sujets qui vont être investis plus largement. Enfin, peut-être un dernier point qui nous est apparu fondamental, c'est la nécessité de penser plus de réversibilité à la fois dans les espaces publics, dans les bureaux, les logements et les équipements. Ça, c'est quelque chose qui était très frappant avec cette crise sanitaire et qui invite les penseurs, les chercheurs et les professionnels de la fabrique urbaine très largement. Par exemple, pendant le confinement, des espaces vacants ont été utilisés pour faire des centres d'hébergement. On pense à un centre de tennis à New York qui a été mobilisé à ses fins. Des équipements d'urgence ont été créés. Moi, j'ai une image très forte qui me revient en tête, c'est comment des TGV ont été équipés très, très rapidement pour devenir des hôpitaux temporaires. Bon, voilà. Peut-être deux points de conclusion, c'est que la crise sanitaire a été le révélateur, en tout cas l'accélérateur de certains sujets qui avaient été identifiés auparavant par les acteurs de l'urbain pour répondre notamment aux crises environnementales.
Donc certains sujets préexistaient, hein, redonner la place de la nature en ville, travailler les questions de ville productive, intégrer la santé environnementale dans les projets d'aménagement du territoire. Tout ça, c'est pas récent, mais ça a fait l'objet d'une attention nouvelle. En revanche, il y a des surprises qui ont émergé de la crise, des choses qu'on n'avait pas du tout vu venir, comme la fin probable de règne d'Airbnb. Et donc ces conséquences sur la ville qui sont ces effets négatifs comme la gentrification par exemple. D'autres choses comme le déploiement rapide des pistes cyclables, ça c'était pas encore envisageable il y a quelques mois. Alors, quelques perspectives maintenant, c'est est-ce que ces expérimentations qui ont été observées seront pérennes? Si oui, deviendront-elles donc des innovations à proprement parler? Autre élément qui nous semble intéressant à signaler, c'est la nécessité vraiment de développer des recherches de long terme et de ne pas être dans l'analyse immédiate, parce qu'on aura besoin de ça pour tirer des conclusions sur la manière de construire, de co-construire la ville. Et enfin, dernière remarque qui recoupe nos projets de recherche en cours, c'est la place de la culture dans l'après-crise, qui pour l'instant n'a pas été totalement traitée par les acteurs de l'urbain, il faut bien le dire. Son rôle vecteur d'innovation, de lien social n'est plus à montrer. En revanche, ça pourrait être intéressant de s'intéresser... Dans le cas d'une ville post-Covid, c'est quoi demain une ville où finalement tous les spectacles, les expositions se passent à l'extérieur? Comment donc associer les artistes à la fabrique urbaine? Voilà, donc ça pose la question des compétences. Qui on associe autour de la table? Donc là, j'ai pris l'exemple des artistes, mais ça peut aussi être, et on l'a vu beaucoup, la place des épidémiologistes ou des écologues qui vont venir intégrer plus largement le champ de l'urbain. Voilà, quelques observations. Merci Hélène, merci Emmanuel pour cette mise en perspective. Peut-être pour le quart d'heure qui nous reste, j'aimerais mettre un peu en dialogue Jean-Luc Charles et Julie Laernoès, compte tenu de fonctions finalement publiques ou parapubliques, mais en tout cas, Jean-Luc Charles, donc vous avez un projet au long cours, hein, aménager l'île de Nantes, c'est pas rien. Comment le Covid finalement est venu un peu impacter votre trajectoire de développement? Est-ce que ça vous amène à vous reposer des questions, à réimaginer ce que peut être la trajectoire de cette île de Nantes? Et puis peut-être Julie Laernoès, au fond, c'est quoi manager la résilience quand on est vice-présidente de Nantes Métropole? On voyait que Montserrat posait bien des questions. Je ne suis pas certain qu'on ait les réponses, hein, autant que nous sommes. Mais au fond, comment vous appréhendez finalement ce mandat et cette mission ô combien complexe? Peut-être Jean-Luc Charles, pour commencer. Ouais, je vais faire état d'une démarche exploratoire qu'a conduit la Samoa avec une soixantaine d'acteurs qui, d'une manière générale, travaillent dans nos communautés créatives. Et donc, on a installé une espèce de laboratoire qui était animé par le groupe Auxilia. Et les règles du jeu, c'était essayer de déterminer ou de retenir les faits tangibles de la crise sanitaire qui vont influencer ou qui pourraient influencer la ville d'après. Et donc la manière dont nous, aménageurs, on pourrait prendre en compte ce choc et nous adapter, en fait. Voilà. Donc on s'est réunis trois fois. La première séance nous a permis de déceler les faits d'accélération ou les accélérateurs provoqués par la crise du Covid. Et après, on a travaillé sur les imaginaires et sur des scénarios prospectifs sur la manière dont on pouvait concevoir l'aménagement de l'île de Nantes. Voilà. Et donc ces travaux seront apportés au grand débat conduit par Nantes Métropole au titre de la réflexion qui va être portée sur le Covid. On s'est servi de la matrice qui est le support aux travaux d'aménagement qu'on conduit sur l'île de Nantes, qu'on appelle le manifeste durable. Donc il y a quatre entrées. C'est l'île résiliente, l'île des mobilités complices, l'île des communs et l'île de la santé et du bien-être. Donc c'est la matrice sur laquelle le projet urbain s'appuie depuis maintenant 2 ans. Voilà. Donc si on fait un point, je vais aller très vite hein, parce que je pense que il faut privilégier le débat. Si on fait un point sur les
accélérateurs décelés par le collectif sur l'île résiliente. Un premier sujet qui est sous-jacent, hein, est-ce qu'il faut réduire ou accélérer la densité? C'est la ville qui se renouvelle sur elle-même et la ville des courtes distances versus l'étalement urbain. Voilà, donc il y a un point d'équilibre à trouver. Sachant que j'opère une distinction entre la densité, et qui est un concept, et le confinement et la concentration, qui était un autre facteur qui, lui, est propice au développement du virus. Il y a une confusion entre le terme de densité urbaine qui renvoie à des choses très complexes, et le confinement d'un certain nombre de personnes dans des lieux confinés. Mais ça, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Deuxième fait d'accélération, une interrogation sur l'architecture et sur le fait qu'il faut qu'elle s'adapte. Ça renvoie aux limites du macro-lot et au fait qu'il faut plutôt développer un urbanisme de mitoyenneté, chaque bâtiment devant être sur sa parcelle pour pouvoir être démoli, pour être reconstruit ou agrandi si on veut travailler sur son bilan carbone. Ça réinterroge notre rapport au vivant, mais on l'a déjà dit, hein, et à la biodiversité. L'économie locale ou la perception de l'économie locale sort renforcée parce que les circuits courts, les boucles locales, l'économie circulaire ont trouvé une certaine forme d'efficience. Et ça, je pense que c'est un cap assez décisif. Et puis, il y a l'essor du télétravail qui renvoie à la question de l'architecture des temps et au fait que ce n'est pas sans impact sur la mobilité. Parce que s'il y a plus de gens qui télétravaillent, il y a moins de mobilité et donc moins peut-être de pollution. Voilà. Sur l'île de la... Je pense que je suis sur la mobilité. Non, l'île des communs. Ce qu'a révélé aux acteurs qui se sont réunis cette crise, c'est les vertus d'une solidarité d'hyperproximité. Ça qu'on a particulièrement découvert à Nantes. Hein, donc il y a des réseaux de solidarité qui sont constitués à l'échelle du quartier parce que les différents acteurs se sont mobilisés à cette échelle-là. Voilà. Donc ça a porté sur les circuits courts, les livraisons de repas, la fabrication de masques. Il y a un rapport au temps qui est bouleversé. Le confinement, ça nous a appris les rythmes lents. Et je pense que la ville ou la métropole a aussi le besoin de combiner les rythmes entre une ville vibrante et une ville qui permet la réflexion. Il y a peut-être des lieux ou des moments à aménager dans la cité. La nécessité d'accélérer la prise en main des outils numériques, mais ça on l'a déjà vu. Un service public augmenté, c'est-à-dire que pendant la crise, on a révélé que le service public local et notamment les gouvernements locaux étaient en capacité de réagir très très vite, contrairement à ce qu'on a pu voir des services centralisés d'ailleurs. Donc, et ça, c'est une reconnaissance en fait de la viabilité des services de proximité. Je passe rapidement. Juste un dernier mot, oui, pour laisser le temps un petit peu à Julie Lernoës de réagir, parce que alors, je sais qu'on va être coupé en fait. Ouais, après, je finis juste sur le sur une idée qui est assez essentielle. Quand on construit les scénarios en fin de démarche, en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux souhaits qui sont soit contradictoire, soit complémentaire. L'idée qu'a fait naître cette crise, c'est que le collectif avait envie d'une ville vibrante qui est entre les besoins de sécurité et d'aventure. Donc c'est relativement contradictoire. Et il y avait un deuxième scénario qui était la ville-archipel, c'est-à-dire un esprit village retrouvé. Donc on est sur deux échelles de ville, c'est ce qu'on essaye de construire sur le quartier République au Pré-Aéroduc, c'est-à-dire une ville qui a une dimension métropolitaine, vibrante, qui était une terre d'aventure, et une ville quotidienne, c'est-à-dire une ville de quartier, de commun et de proximité. Voilà. Donc, et c'est les deux grands scénarios qui sont sortis de cette analyse.
Merci pour ce regard. Alors peut-être en guise de conclusion, Gilles Hernoës, et pour citer une deuxième fois Bruno Latour, où atterrir ? C'est-à-dire que quelque part, comment on pilote l'action publique à l'échelle de ces défis et à l'échelle de cette question de la dynamique, des temps courts, des temps longs, du micro, du macro ? Et la résilience, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un mandat comme le vôtre ? Ben, on savait qu'on allait vers un mandat assez inédit, ce qui bouscule un peu aussi, et on a besoin de bousculer la manière dont on fait les choses, dont on a fait les choses. Et là aussi, la crise a été très riche d'enseignements parce qu'on n'a jamais été capable de réagir aussi vite. C'est-à-dire, quand Jean-Luc Charles dit les gouvernements locaux ont répondu, il y avait un enjeu immédiat, et on a répondu immédiatement en cherchant des solutions, y compris en transgressant parfois, quelque part, les habitudes et les manières de fonctionner. Après la crise, et je pense que ça a été très bien décrit, a été aussi une manière de voir la ville différente. On a vu une ville sans circulation, une ville sans avion. On a vu aussi une ville sans relations sociales. Ce qui nous a tous fait réinterroger la manière dont nous vivons la ville en temps normal, même si on pense que le temps normal ne va pas revenir. Alors comment on conduit les questions de résilience ? Je pense qu'on revient aussi un peu sur l'essentiel. C'est-à-dire, on a parlé de l'alimentation. Au Moyen-Âge, les villes étaient en charge de la sécurité alimentaire puisqu'elles devaient veiller à ce qu'il n'y ait pas, dans des mauvaises récoltes, qu'il y ait suffisamment à manger pour les personnes qui vivaient sur la ville avec les paysans autour. Et donc, on s'est progressivement détaché de ça dans la ville moderne. Une ville est par essence pas résiliente. Elle consomme beaucoup plus d'énergie qu'elle ne pourrait produire. Elle ne pourra jamais consommer, même si on va recréer du lien avec la nature en ville, l'alimentation dont on a besoin pour nourrir les gens. Et donc, c'est aussi de comprendre le système ville dans une interaction avec son système environnant, ce qui n'est pas le cas. Et puis, je pense qu'on a des challenges ou des défis particulièrement importants dans les années à venir, mais il y a des concepts qui reviennent d'acuité, la végétalisation, la dépitumation, notamment des cours d'école, la lutte contre l'artificialisation des sols, qui demande aussi en ville de travailler notamment sur la modularité des logements, si on veut, et c'est aussi absolument une urgence de loger tout le monde comme on a su le faire pendant la crise du Covid. Donc on voit qu'on marche sur du structurel et on profite aussi du conjoncturel pour appuyer sur le structurel. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, les infrastructures cyclables se sont faites après le choc pétrolier avec une vraie volonté d'accélérer sur les pistes cyclables. Et je pense qu'au contraire, au centre-ville, c'est particulièrement pertinent. Il faut se réapproprier le bien commun que sont les sols, que sont l'espace public, pas seulement au profit des automobiles, mais au profit de la vie et de recréer de la vie au sein des quartiers. Et le concept qui a été aussi développé, la ville du quart d'heure, cette nécessité absolue de recréer des liens. En tout cas, ces différents aspects, il y a les systèmes urbains en soi, mais le système social de qu'est-ce qu'est la ville, qu'est-ce que veut dire la ville et quel est le sens de vivre ensemble quelque part dans la manière dont on aménage notre territoire. Est-ce que une conférence comme celle-ci, là, dans laquelle nous sommes depuis deux jours, c'est l'occasion aussi d'échanger avec d'autres villes européennes qui finalement réagissent avec leurs forces, leurs faiblesses, mais où on voit que le local est très important. Est-ce qu'on identifie des choses qui auraient été faites ailleurs et dont on aimerait s'inspirer ? Est-ce que Nantes est aussi une source d'inspiration pour d'autres territoires ? Est-ce que c'est un carrefour d'échange ? C'est, au sein de l'Union européenne, on est en échange avec des villes qui font face au même challenge. Et on s'est toujours inspiré de ce qui se faisait ailleurs et qui n'est pas forcément reproductible sur notre territoire parce que les conditions ne sont pas forcément les mêmes et le terreau n'est pas identique non plus. Mais c'est vrai que ce type d'innovation, y compris de parler de l'innovation technique, mais d'élargir, puisque c'était aussi l'objet de l'obtention de ce prix, à l'innovation sociale, sont absolument essentiel pour tirer collectivement les leçons de la crise. Et on a aussi une notion de lobbying entre différentes villes. On a fait ça notamment à travers la Convention des maires qui a donné lieu à un instrument européen financé par la Commission européenne sur l'adaptation des villes au changement climatique et le financement là-dedans aussi. Et donc, ça nous permet aussi d'être plus forts pour aller chercher les moyens nécessaires pour mettre en place les solutions dans nos villes.
Écoutez, merci. Je ne sais pas si quelqu'un... Il nous reste à peu près 37 secondes, je pense. Donc, nous sommes un peu à la fin d'un débat assez passionnant, au fond, et c'est assez intéressant de mettre en résonance comme ça une pensée académique et une pensée plus pratique. Je pense que ce n'est pas si souvent, finalement, qu'on a des occasions d'échange de... Alors, on a posé beaucoup de questions. Hein. Je ne sais pas si on a apporté beaucoup de solutions. Mais, en tout cas, on voit que les défis sont assez nombreux. Et puis, je ne sais pas, peut-être que c'est le mot de la fin. Laurent, tu veux dire quelque chose ? Oh ben je ne sais pas. Moi, je pensais, ce n'est pas une conclusion du tout, à cet enjeu qui a été traversant de cette articulation du conjoncturel et du structurel. Et on a vu que cet été était remis en selle un haut commissariat à la planification au niveau de l'État, ce qui est assez... instructif, drôle, ou en tout cas c'est un bon observable pour les chercheurs, mais en tout cas il ne faudrait surtout pas que ça se traduise par un monopole de cette question de la prospective à l'échelle nationale par rapport au niveau des collectivités locales qui s'en emparent, et c'est l'enjeu par exemple de l'association, de la résilience et de la prospective. François est là, je pense qu'il est temps qu'on se salue les uns les autres. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Pour cet échange.